braves gens, vous êtes bien à l'écoute des programmes de 48 FM et l'heure est venue de retrouver Inspecteur des Riffs. Avec ce soir le volume 96. Et toujours en l'absence de notre commissaire Stella, commissaire de la Maison du Rock, mais également de cette émission. Et on te salue, Béabasque Stella. Nous avons dans l'ordre d'apparition pour ce soir, pour la Maison du Jazz, Olivier. Salut Olivier. Salut. Là, micro coupé, il y a un souci, voilà, c'est mieux avec le micro. Nous avons pour la Maison du Rock Bernard, salut Bernard. Salut. Pour la Maison du Jazz, de nouveau Jean-Paul, salut Jean-Paul. Mais oui. Et enfin Catherine. Au bouton, bonsoir. Voilà, aux manettes, exactement. Voilà, alors c'est à Olivier, je pense, qu'il soit l'honneur, le privilège et l'avantage de nous déflorer le thème de ce soir. Oui, donc le thème d'aujourd'hui est le métissage, sujet très, très vaste évidemment, puisque c'est un peu l'histoire de la musique en général. Et voilà, je commence tout de suite avec une rencontre qui a marqué l'histoire de la musique, en tout cas qui a marqué mon histoire. Je parle de musique et pas de jazz pour ne pas froisser les puristes du jazz. On va écouter Codona, en fait. C'est un projet constitué de trois musiciens qui ont été très influents dans le milieu du jazz. Le nom du groupe est constitué des deux premières lettres du prénom de chacun des musiciens, donc Co pour Colin Walcott, qui lui joue du sitar, des tablas. Il avait joué avec Miles Davis dans la session On the Corner, ou pendant des années avec Oregon, le groupe de Ralph Turner. Le Do correspond à Don Cherry, grand trompettiste, donc qui lui était précurseur du free jazz aux côtés d'Ornette Coleman dans les années 60, et énormément d'autres projets Jazz World. Et le Na correspond à Nana Vasconcelos, qui lui joue du berimbo, de la cuica et des percussions. Donc c'est un groupe qui a existé en 1978 jusqu'à la mort de Colin Walcott, qui est décédé lors d'un accident justement en tournée avec le groupe Oregon. Donc le groupe a existé de 78 à 84, ils n'ont su enregistrer que 3 albums. Et donc j'ai choisi de vous faire écouter le morceau Mumakata. Thank you.
Babadouma, on est Babadouma. Le groupe Kodona sur l'album Kodona One et le titre Mumakata. Oh, mais il y a Jean-Paul qui est rentré en transe en écoutant ça. Semi-transe. Ouais, ça rappelle des moments où on ingérait des substances, des gâteaux particuliers, des choses comme ça. C'est ça que tu voulais dire. Est-ce qu'on peut encore parler ici sans qu'on vienne tout répéter au micro ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il n'y a rien de mal. C'est de la gourmandise. Allez. On va continuer à danser un petit peu sur des rythmes, on va dire, exotiques. Alors moi, c'est pas ma jeunesse, c'est ma jeunesse, mais j'ai pas connu ça dans ma jeunesse. C'est la France chez Bran. C'est le titre de la compilation qui vient de sortir chez Born Bad, le volume 2. France chez Bran, volume 2. Dans le volume 1, c'était assez drôle parce que on entendait des groupes de rap funk français très foireux qui essayaient d'imiter un petit peu Chagrin d'amour. Mais il y avait des choses assez drôles. D'ailleurs, j'avais passé un morceau il y a quelques temps. Et dans le volume 2, alors c'est différent. C'est tous des musiciens ou des groupes qui ont un peu mélangé le funk new-yorkais, les sonorités électroniques avec des musiques orientales. Donc c'est des gens, ça peut être des Tunisiens, des Africains, des Français. Il y a même un Belge, Alec Mention, je crois. C'est assez étonnant. Et j'ai découvert là donc le groupe Ganawa. Je suis désolé, j'ai pas trouvé quoi que ce soit sur leur passé, leur présent et leur futur, parce que quand on tape Ganawa sur le net, on a beaucoup de choses sauf ça. Par contre, j'ai réussi à trouver le morceau, à l'isoler, c'est le titre Yamna, que nous allons écouter en remuant notre petit popotin. اليوم انا ما
C'était Yamna par le groupe Ganawa, donc on peut trouver sur la compilation qui vient de sortir chez Born Bad France chez Bran volume 2 ou en 45 tours sur des brocantes bien sympathiques. Comme Olivier vous le disait en commençant, c'est vrai qu'on on s'est dit quand il a proposé ce thème en jazz, on peut proposer à peu près n'importe quoi puisque par définition le jazz est originellement une musique métissée, et on l'a déjà dit mille fois, euro-afro-américaine. Et en même temps, quand on parle aujourd'hui de métissage, on parle surtout des rapports avec d'autres musiques européennes, les musiques orientales, etc. Mais le rapport avec l'Afrique reste quand même relativement intéressant. Moi en tout cas, je vais commencer par ça, dans la mesure où c'est pas si évident que ça. Et il y a assez peu aujourd'hui, curieusement, de jazzmen africains. Il y en a peut-être moins que de jazzmen qui viennent plutôt d'Orient, parce qu'il y a au niveau rythmique quelque chose qui même si le jazz vient de la polyrythmie africaine, il y a quelque chose qui est différent. Et on va écouter quelqu'un qui va nous expliquer ça beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. C'est Pierre Vaiana, qui est un musicien de chez nous, hein. Il est de Serein, et il est parti, il a beaucoup travaillé au Burkina Faso, il a enseigné là-bas, puis il est revenu avec un groupe qui s'appelait Fufango. C'est le groupe qu'on va entendre au départ, et puis il va nous expliquer un peu la difficulté qu'il y a parfois à mélanger des rythmiques jazz avec des rythmiques africaines. On écoutera dans la deuxième partie sur la voix les percussions de Mamadi Keïta. Et ça rappelle un peu quand Dizzy Gillespie avait fait sa rencontre, ce Q-Bop, en mélangeant la musique cubaine avec le jazz. Il y avait donc à la fois Kenny Clarke, le batteur bebop dans son groupe, et le percussionniste cubain Charlo Pozo, et ils devaient souvent aller d'un à l'autre pour leur murmurer à l'oreille un peu le rythme, parce qu'ils avaient un peu du mal dans la mesure où la musique africaine est plus carrée et où le jazz, fatalement, il y a cette petite différence avec le jeu sur le temps. Donc voilà, on écoute Fufango et l'interview de Pierre Vaiana. Gonope alabadim balo sinte gonope alabadim balo sinte gonope alabadim balo sinte gonope alabadim balo somente na jugubolana somente na jugubolana eh somente na jugubolana somente na jugubolana somente na jugubolana somente na jugubolana eh somente na jugubolana Sinte konope alabadim balo. Sinte konope alabadim balo. Sinte konope alabadim balo. Sinte konope alabadim balo. Somiti na jugubolana. Somiti na jugubolana. Eh, somiti na jugubolana. Somiti na jugubolana. Somiti na jugubolana. Somiti na jugubolana. Eh, somiti na jugubolana. Somiti na Sinte konope alabadim balo. Sinte konope alabadim balo. Sinte konope alabadim. Rythmique
vachement, hein, jouer avec les Africains. Contrairement à ce qu'on peut croire, les Africains, c'est... Parce qu'on voit les Africains, on a toujours l'image un peu exotique d'un Africain torse nu qui tape sur un tambour, qui transpire. Et on a un peu ce truc, tu vois, de... Ils jouent avec leurs tripes, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Les Africains, c'est des ordinateurs, quoi. Ils ont un concept tellement précis du placement rythmique, c'est au millipoil près, hein. C'est pas là. Ça doit être à l'endroit exact où ça doit être. Ils sont d'une précision extrême, rythmiquement. Et d'une complexité incroyable, qu'ils maîtrisent. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est pas juste au feeling, tu vois, comme on pourrait le croire. D'abord, au début, tu sais même pas où elle tend, parce que tu entends un rythme, tu tapes du pied d'une certaine manière, mais tu regardes leur pied à eux et ça, ils tapent tout à fait autrement. Donc tu dis que c'est que je me plante. Tu essayes de taper du pied comme eux et tu comprends plus rien du tout. Ou bien tu essayes de placer tes notes et alors tu as l'impression de perdre ton style, parce que tout ce que tu as appris pour habiller un peu ton phrasé, tu peux plus le faire et tu joues juste des notes mécaniquement, comme ça. C'est donc Pierre Vaillana qui parlait de la difficulté parfois d'intégrer des rythmiques jazz avec des rythmiques africaines. Et c'était le groupe Fufango en première partie de l'interview. Et ben moi je vais passer à... Je viens de me rendre compte en fait que ma programmation était 100% anglaise. Quelle surprise. What a surprise. Alors je vais commencer par un groupe de rhythm and blues anglais formé à Londres en 1965. Le groupe s'est dit Equals. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de leur tube Baby Come Back. Et c'est des gars qui ont été un peu les pionniers en matière de groupes métissés en Angleterre. Du moins, ça a été les premiers à avoir bénéficié d'une certaine notoriété. À la tête de ce groupe, on retrouve le chanteur originaire de Guyane, Eddie Grant, qui a eu une carrière solo par la suite, qui est le principal songwriter du groupe et lead guitariste. Mais on trouve également les frangins d'Ervin Gordon et Lincoln Gordon au chant et à la basse, qui sont eux d'origine jamaïcaine. Et puis deux londoniens pur jus, Pat Lloyd à la guitare rythmique, et John Hall à la batterie. Alors la formation, elle propose un mélange de pop, blues, rhythm and blues, en y associant des éléments de ska et de blue beat au gré de leur composition. Le morceau que l'on va écouter sort un petit peu du style habituel du groupe, puisque le ton se fait un peu plus musclé, rythmé, syncopé et complexe. Il y a une guitare saturée qui intervient à la frontière du protopunk. Et pour les propos, malheureusement pour l'instant, il est toujours utopique, puisque les Equals rêvaient d'un monde où régnerait l'amour interracial et l'unité entre les peuples, et que le fruit de cet amour serait un black skin, blue eyed boy. Okay, I'm loosened up now, children. People, white is white, was black and clover. Together we'll be when the war is over. You see them black skin, blue eyed boys. They ain't gonna fight no wars. Oh, now. Black or white, where do we have to breathe? Where do we have to breathe? You see them blacks.
Alors, c'était donc The Equals et Black Skin Blue Eyed Boys, comme on me l'a fait remarquer. Merci Bernard. C'est pas moi. Et en fait, on peut dire que tout l'espoir du groupe reposait dans cette simple phrase. No country, no creed. People won't be black or white. The world would be half-breed. En l'occurrence, pas de pays, pas de croyance. Les gens ne seront ni blancs ni noirs et le monde sera métissé. On y est. Voilà. Waouh. Et on enchaîne avec un groupe anarcho-punk hollandais au milieu d'un projet, à savoir ZX. Donc ZX, 36 ans de carrière, quelques 1250 concerts à travers l'Europe et une vingtaine d'albums. Donc bon, ils ont fait du punk mais pas que. Donc leur horizon musical passe par les musiques africaines, les musiques éthiopiennes. Ils avaient fait un projet avec le grand saxophoniste éthiopien Getachew Mekuria, qui avait eu du succès dans les années 60 et qu'on avait redécouvert avec les fameuses compilations éthiopiques, tout comme on avait redécouvert Mulatu Astatke à l'époque. Ils ont fait beaucoup de rock aussi avec Sonic Youth, Tortoise et Fugazi, des musiques improvisées et bien évidemment du free jazz. Donc on se souvient du projet qu'ils avaient fait avec Paul Nielsen Love et Ken Vandermark, qui s'intitulait Lean Left. Ils ont joué aussi avec l'ICP Orchestra, enfin bon nombre de musiciens du free jazz. Et ici en 2010, ils ont fait un projet, donc c'était ZX Brass Unbound. Et ils sont accompagnés en fait de deux grands saxophonistes, Ken Vandermark et Mats Gustafsson, d'un trompettiste Troy Pachy et au trombone de Walter Wirbos. Donc nous écoutons ZX Brass Unbound. Stay out of shot. With me, be a separate from anything else.
shark heads. These are jealous people, and they're full of anger. The rock come, strange come, self will go from. Shark stay, strange sky, self will go from. Rock come, strange stop, self will go from. Shark stay. Métissage du punk et du free jazz. Donc c'était The X Brass and Band avec le morceau State of Shock. Eh bien, nous partons dans les îles, maintenant dans la Martinique. Là aussi, eu pas mal de métissage de musique occidentale, on va dire. Dans les années 60, il y a le rhythm and blues, le boogaloo, comme ils appelaient ça, qui débarquait. Et ça se mélangeait un peu avec les musiques du coin. Et le langage aussi était pas mal métissé, c'était assez marrant parce que dans les titres de morceaux, là par exemple on va écouter un morceau qui s'appelle « Sécurité », je vous laisse deviner de quoi ça va parler, par un certain Maurice Alcindor, donc, qui est né en 1930, je pense qu'il est encore vivant. Il a fait une petite carrière dans la chanson dans les années 50, mais il a quand même dû faire d'autres métiers à côté parce que je pense pas que ça ait cartonné en tout cas. Et en 1970, il a sorti un 45 tours qui s'appelait donc « Sécurité ». Maestro, s'il vous plaît, El Bougal. On ne veut pas, madame, je veux bien, nous, monsieur Céline. Général, c'est là qu'il y a payé location familiale. L'argent vient travailler, congé payé aussi. C'est là qu'il t'est tout calme. Pourtant, c'est le contraire. L'air où pointé où c'est dit. L'entrée en cinéma, tellement marchand bonbon. Qu'a occupé ces places-là. Sécurité sociale, sécurité. Sécurité sociale, sécurité. Sécurité sociale, sécurité. Sécurité sociale, sécurité.
Bougalou, Bougalou. Oui. Bougalou, Bougalou. Oui. Kalalou, Kalalou. Oui. Chelou, Chelou. Oui. Kolbou, Kolbou. Oui. Sadou, Sadou. Oui. Dodo, Dodo. Que l'idée de sécurité sociale a bien fait rigoler. C'était Maurice Alcindor. Oh, c'était réjouissant quand même. Mais oui, ouais, je trouve. C'est un peu comme Entraînant. À la Moutouelle, comme disait Christian. Voilà, exactement. Et Bernard nous disait hors antenne qu'il y avait sur le même disque un morceau qui s'appelait Tu es terriblement sexy. Et tout en fait, on va écouter un morceau qui est un peu la version années 30 du même thème, plus ou moins. On est reparti en 1934 et c'est le moment où il y a le premier en termes de métissage, la première influence vraiment importante des substrats musicaux européens par rapport au swing. C'est un mélange de swing et à la fois de musette et de musique des Roms, c'est-à-dire la musique de Django Reinhardt. Évidemment, c'est un peu ça, la musique du Django. Et elle a influencé tout le champ musical à partir de justement 33-34, quelque chose comme ça. Et tous les chanteurs, non, on a déjà dit souvent que la France était un peu coupée en deux. Il y avait Traîné d'un côté et Tino Rossi de l'autre. Et ici, on va aller du côté Tino Rossi, du côté Lapsus, du côté Traîné, évidemment. Mais on va écouter Jean Sablon, qui est l'autre chanteur un peu jazzy, avec Django à la guitare, avec la clarinette d'André Équian. Donc c'est tout début, c'est vraiment à l'époque des tout premiers enregistrements du Quintet du Club de France, et le morceau s'appelle « Je sais que vous êtes jolie ». Monsieur, je voudrais pourtant savoir pour quel motif vous me suivez tous les soirs. Chaque fois qu'il faut que je sorte, je vous retrouve à ma porte. Oh mademoiselle, j'ai tort, pardonnez-moi, mais votre charme a mis mon cœur en émoi. Je sais bien que vous en rirez, que jamais vous ne m'aimerez. Je sais cela. Oui, mais voilà, je sais que vous êtes jolie, que vos grands yeux pleins de douceur ont charmé tout mon cœur, et que c'est pour la vie, je sais.
que c'est une folie, que loin de vous je devrais m'en aller à jamais. Je sais que vous êtes jolie. Je sais que vous êtes jolie, que vos grands yeux pleins de douceur ont charmé tout mon cœur, et que c'est pour la vie. Je sais que c'est une folie, que loin de vous je devrais m'en aller à jamais. Je sais que vous êtes jolie. Voilà, quand la chanson française rencontre le swing de l'entre-deux-guerres, Jean Sablon avec Django, Je sais que vous êtes jolie, 1934. Ah bah c'était très émouvant. Oui, je trouve. Du coup, on va rester en Angleterre. Hein, avec, enfin, en tout cas, moi, je vais rester en Angleterre avec un groupe de soul métissé à plusieurs égards, puisqu'il se compose dans un premier temps d'Anglais, de Caribéens, un Jamaïcain et un Dominicain, et d'un Sri Lankais. Il y a également une différence au niveau des âges des membres du groupe, puisque le plus jeune à l'époque a 18 ans et le plus âgé 38 ans. Il y a une différence d'influence et de parcours musicaux. Certains viennent plutôt du monde du jazz, d'autres du monde de la soul, du rock. Et il y a aussi une différence de parcours de vie, tout simplement, puisque au sein de la formation, on retrouve un ancien prof, un ancien employé de bureau, un ancien décorateur d'intérieur et un ancien boxeur. Le groupe, c'est The Foundations. Je ne sais pas, vous avez peut-être déjà entendu leur tube qui s'appelait Build Me Up Buttercup. Peut-être Jean-Paul, on ne sait jamais. Il a dû swinguer là-dessus, non ? Peut-être. Du temps où tu mangeais des gâteaux. Du temps où tu mangeais des gâteaux. Et pour la petite anecdote, ben, on retrouvait au début du groupe, en tout cas au sein de la formation, le flamboyant Arthur Brown, celui de Fire. Ça marque, entre. Ah, ça marque, évidemment. Et puis une autre petite... petite anecdote que j'ai lue quelque part, mais je ne sais plus très bien où, c'est que la chanson aurait été composée dans une taverne de Soho, là où, dans cette taverne, où un tube d'un autre genre aurait été déjà composé quelques décennies auparavant, puisque c'est apparemment la taverne qui aurait accueilli Karl Marx à l'époque où il a écrit son Capital. Tu as dû lire ça dans Voici, alors. Oui, peut-être, oui, ça doit être ça. De toute façon, voici The Foundations et Baby Now That I Found You. Baby, now that I found you, I can't let you go. Under my world.
Voilà, c'était les délicieux Foundations et le morceau Baby Nord de la Found You, morceau sorti en 1967. Ça me rappelle un peu les autoscooters, ça, je ne sais pas pourquoi. Ah bah tu vois que ça te rappelle quelque chose. Oui, tout à fait. Très romantique aussi. Alors. Ouais. Bon, bref. Voilà, je vous passe quand même assez régulièrement un titre d'Akamoun aux Inspecteurs des Riffs. C'est peut-être parce que c'est un des groupes de jazz belge phare depuis plus de 25 ans, mais c'est peut-être aussi parce qu'il colle un peu à tous nos thèmes. Donc je pense que je vous avais passé un titre quand c'était le thème des Belges, des bassistes, et cette fois le métissage. Donc bah, il colle à merveille évidemment avec ce thème, puisque Akamoun a beaucoup voyagé. Ils ont épicé leur musique d'accent balkanique, arabe, indien, électro, avec les DJ Grasopa, de musique classique et bien évidemment de musique africaine, puisque le nom du groupe, ils ont trouvé leur nom suite à un voyage en Centrafrique, donc chez les pygmées Aka. Ils ont eu des projets maliens avec Baba Sissoko and the Black Machine. Et ici, on va en 97 avec Doudou Ndiaye Rose et toute son équipe de percussionnistes. C'est un enregistrement live au Voreuth. Et nous écoutons Djubo, la partie 3. Thank you.
Version un peu écourtée d'Akamoun, donc c'était le morceau Dubo partie 3 sur l'album Live au Voreuth. Là j'ai ici un Suisse-Allemand que je vais métisser avec une Américaine d'origine mexicaine quand même, parce que c'est, son père est mexicain en tout cas, c'est le fameux Révérend Beatman avec Nicole Isobel Garcia. Bon, Beatman, on le connaît en formule tout seul, on le connaît avec les Monsters, on l'a connu comme catcheur aussi avant d'être révérend. Il vient de Bern in Hell, comme il dit. Yes, Bern. Ouais. Et puis bon, là, il a fait un duo avec ce jeune Nicole Isobel Garcia, qui est née en 91, donc relativement jeune quand même, qu'il a dû rencontrer, je pense, lors de tournées en Amérique, parce qu'elle jouait aussi avec des groupes garage à l'époque. Donc voilà, ils ont dû se croiser sur les scènes. Et ça donne quelque chose de très chouette. Donc ils sont venus jouer là au Cultura au mois de mai. C'était vraiment très très bien. Donc c'est du blues, garage, punk. Mais elle apporte un petit quelque chose. Alors déjà, elle est habillée en nonne. Et elle est vraiment très impressionnante. Elle est derrière une batterie. Elle tape un peu comme si elle tapait sur, si elle punissait quelqu'un qui avait péché. Elle ne sourit pas. Elle a un regard vraiment... très, très pénétrant. Elle joue un peu d'orgue. Et ils ont sorti un album, tous les deux, là, donc sorti récemment cette année, où ils jouent ensemble. Et puis il y a quelques compositions donc, de Nicole Isobel Garcia. Et on va entendre Nerviosa. Me mataron.
Vous venez d'entendre Nicole Isobel Garcia, une collègue de Révérend Beatman, puisqu'ils ont fait un album ensemble. Donc, l'extrait de cet album, Nerviosa. Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour en Arménie? Non. Pas d'objection. Bon. En fait, jusqu'il y a quand même quelques années, quand même déjà maintenant, je crois que je ne connaissais aucun musicien de jazz arménien. Je ne savais même pas s'il y avait vraiment du jazz en Arménie. Et puis, il y a quelqu'un qui a débarqué et qu'on a commencé à voir assez souvent. Il est venu au moins 3-4 fois dans la région avec son groupe ou en solo, etc. Il s'appelle Tigran Amazian. C'était un tout jeune pianiste à l'époque. Ici, on est en 2008. Et donc, c'est avec son groupe, un groupe assez électrique, mais où il y a une influence très forte dans la plupart des morceaux, deux thèmes traditionnels arméniens. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Shokrian, c'est sur le premier disque qui a été distribué, c'est le disque qui nous avait donné envie de le faire venir notamment au festival, qui s'appelle Red Hail. Et donc voilà, il s'appelle Tigran Amazian et il a un toucher de piano assez extraordinaire. Oh.
Tigrane Amazian, Chokrian en 2008. Alors, vous connaissez tous un peu mon cri de ralliement, qui est devenu au fil des émissions un petit running gag, c'est Manchester Rules. On va continuer avec un groupe de Manchester. Tiens, tiens, quelle surprise. Le groupe c'est Kid British, un groupe multiracial reflet d'une ville et d'un pays pluriculturel. C'est donc Kid British qui sont un peu des Rude Boys version hip-hop avec un net penchant pour le ska revival et le groupe et le rock indé. Et ils mixent en général tout cela dans la joie et la bonne humeur. C'est un groupe à géométrie variable, donc aussi bien au niveau des influences, ils citent en vrac souvent Blur, The Specials, The Streets ou Madness, que du nombre de membres, puisque ça aussi entre 4, 7 ou 8. Alors, il y a un métis, deux petits blancs, trois petits blacks, et surtout une putain d'énergie positive. Alors ici, ils vont s'attaquer sans vergogne et sans complexe à un monstre de la dance mancunienne des années 80. Fallait oser, ils ont osé. Voici Kid British. Tell me how does it feel when your heart grows cold.
Voilà les délicieux Kid British et cette reprise que vous n'avez pas tous reconnue. Non. La reprise de New Order. Ils n'ont c'était pas reconnu. Le morceau Blue Monday. Voilà, et on repart dans les musiques du monde avec une rencontre un peu particulière entre William Parker et Amy Drake, qui sont des musiciens de jazz, de free jazz au départ. Donc William Parker à la contrebasse et Amy Drake, percussionniste batteur. Donc c'est vraiment des musiciens hors normes qui ont presque 40 ans de carrière. Ils ont joué aux côtés des plus grands noms comme Peter Brotzmann, Ken Vandermark, Matthew Shipp, puis j'en passais des meilleurs. Pendant presque 20 ans, ils ont eu un trio avec le saxophoniste Fred Anderson, et jusqu'à la mort de celui-ci. Et ils ont fait à côté des projets un peu musique du monde comme ça, où vraiment leurs racines africaines ressortent. Ils jouent avec des instruments traditionnels de tout pays. Ils ont enregistré deux sessions donc en duo qui leur donnent libre cours à leur imagination et à l'improvisation. Ils ont un vocabulaire musical très riche et très, très, très complémentaire. Ils jouent du balafon, donc c'est une sorte de vibraphone africain, du darbuka, du slit drum, donc c'est un tambour à fond, à fente, en bois creux. Ils jouent des tablas, du dozongoni. Ça, c'est une sorte de kora. Donc, la kora, c'est un instrument donc à 21 cordes ici. C'est akora. Akora. C'est ça qu'on trouve au kora. Donc, le dozongoni, un instrument utilisé par les jeunes chasseurs maliens. Et sur ce titre, donc William Parker, donc le bassiste au départ, joue du shakuhachi. C'est une flûte droite traditionnelle chinoise. Et Amy Drake joue du frame drum. Donc c'est un tambour sur cadre. On écoute le morceau Japeru.
nous écoutions William Parker et Amit Drake, donc sur l'album Piercing the Veil, avec le titre Japérou. Bien, nous continuons à métisser avec un groupe de hard rock français d'origine marocaine, chantant en anglais avec des musiciens de confession juive. Donc voilà, c'est, mais ça s'entend pas tellement quand ils chantent. Par contre, comme le chanteur Djoleb, donc le chanteur des Variations, que tout le monde connaît ici, je vois. Le chanteur Djoleb est d'origine marocaine. Voilà. Et donc, c'est un groupe qui faisait quand même beaucoup de rock'n'roll, influencé entre autres par les Rolling Stones et d'un autre côté par les Chaussettes Noires. C'est assez étrange. Et ils étaient aussi influencés par la musique marocaine. Avec le morceau que nous allons entendre, More Rock'n'Roll. Rock'n'roll par les Variations. On se disait que ça ressemblait, ouais, c'était un mélange entre les New York Dolls et la musique marocaine. Bah, finalement, c'est peut-être pas un hasard parce que c'est un morceau qui est sorti en 74 et l'année précédente, ils avaient fait une tournée avec les New York Dolls. Oh, bah voilà. Donc, à mon avis, c'est rentré par une oreille. Oui, ben on va rester à Paris, on reste en France. Enfin, je ne sais pas si on était à Paris, mais on était en France en tout cas. C'était un groupe, oui, parisien un petit peu. On reste en France dans les années 70, en 71, avec un groupe qui est plutôt un groupe de jazz rock, même si c'était, à l'époque c'est drôle, je relisais un peu les textes de pochette et les articles, on parlait plutôt de rock jazz que de jazz rock, je ne sais pas pourquoi. Et c'est un groupe qui s'appelait Zoo, qui avait été créé par le guitariste André Hervé notamment, et le violoniste Michel-Éric Poche. Et ils avaient donc fait des choses à leur nom, mais ils avaient aussi, ils avaient été
était surtout connu parce qu'ils avaient d'abord fait deux titres avec Léo Ferré dans le disque Amour Anarchie, et puis quasi l'entièreté du disque La Solitude. C'est un peu la rencontre entre des sonorités plus rock et cette chanson française plus classique que faisait Ferré jusque-là. Alors voilà, c'était là, tu coupes quelques minutes la radio, et puis on écoute donc cet instant d'octobre 71, et c'est le morceau qui donne son titre à l'album. Je crois que je l'ai écouté un milliard de fois à l'époque, ça s'appelle La Solitude. Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude. La solitude. Les moules sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. De toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détersif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant, l'espoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais le secret. La solitude, la solitude, la solitude. Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.
1971, Léo Ferré, La Solitude. Merci Jean-Paul. De rien. Alors, on ne présente plus le groupe qui va suivre, c'est les Specials. C'est un peu comme Olivier qui replace à Camoun à toutes ses émissions et à quel que soit... Les Charlots aussi. Les Charlots, Bernard et les Charlots, Jean-Paul et Léo Ferré. Ben, moi, c'est les Specials. Donc, on ne les présente plus. Combo originaire de Birmingham, versé dans le Scar Revival. On va écouter une reprise, une de plus. Un morceau de Rocksteady qui s'appelle A Message to You, Rudy. Morceau que l'on devait au chanteur jamaïcain Dandy Livingstone, l'original étant sorti en 1967. Alors la version originale nous racontait les troubles sociaux chez les jeunes qui vivaient à Kingston. Les Specials, eux, ont gardé le thème en l'adaptant à l'Angleterre et aux années 70. En effet, il s'agit ici d'un commentaire sur la période socialement et politiquement bouleversée qui mena fin 1978 à ce qu'on a appelé le « Winter of Discontent ». C'était à cheval sur l'hiver 78-79, avec une succession de grèves, de manifestations, atteignant évidemment son paroxysme durant l'été 81, qui a vu déferler son lot d'émeutes. Alors, on va faire un petit peu de littérature maintenant. L'expression « Winter of Discontent » est une expression tirée de... Shakespeare. Ouais, bravo, il y en a un qui suit. De Richard III, très exactement. Il s'agit de la phrase d'entrée de la scène 1, de l'acte 1. Et puis, le message to Rudy, en fait. Rudy, c'est pas un sale prénom qu'on n'aime pas trop. Espèce de Rudy, tu vois. Je vais me faire plein de potes, vous connaissez des Rudy. Mais c'est en fait une abréviation pour le terme rude boy, qui est un terme jamaïcain qui signifie délinquant juvénile. Dernière petite remarque, le trombotiste, c'est bien aussi ça, le tromboniste cubain Rico Rodriguez, qui jouait du trombone sur le morceau original, joue aussi du trombone sur la reprise. Voici The Specials. Thank you.
l'amicale des mangeurs de chouquette présente la séquence allumée d'Inspecteur des Riffs et c'est Olivier qui démarre. Oui, alors ben, comme allumé, on a évidemment John Zorn, le phénomène John Zorn. Donc lui était auteur-compositeur, chef d'orchestre à sa façon, saxophoniste, multi-instrumentiste et producteur de son propre label, le label Zadig, avec plus ou moins, je pense, 900 albums au compteur. Il est surtout connu pour sa musique avant-gardiste, free jazz. Il a commencé dans les Loft Sessions de New York dans les années 70 et il a comme particularité de mélanger les genres musicaux, donc d'origine juive, beaucoup de musique, évidemment, klezmer, qui mélange aux musiques classiques, au rock, au death metal, au punk hardcore, ainsi qu'aux musiques de films et de dessins animés. Certains de ces titres sont organisés en mini-collages, comme ça, des mini-collages sonores aux diverses influences. Il a eu énormément de groupes. On connaît Masada, Masada Electric, String Masada, Naked City dans les plus excités, le Painkiller aussi. Et ici, on va écouter, quand même pas mal excité, le projet Moonchild, où on le retrouve John Zorn donc au saxophone. À la basse, c'est Trevor Dunn, Joey Baron à la batterie et à la voix, on va dire, Mike Patton. Et nous écoutons le titre Witchfinder. Ah!
Termine en beauté. Donc c'était Moonshine, le projet de John Zorn avec Mike Patton. Bon ben retour à un peu de douceur quand même. Ouais, j'ai perdu une demi-heure et voilà. Non, c'était très bien. Nous apprécions beaucoup aussi. Bon, ça je sais pas si vous allez apprécier. Bon, c'est vrai que Kat, elle vient souvent avec les Specials, Oli avec Akamoun, c'est ça. Jean-Paul avec Léo Ferré, ouais. Et moi avec les Charlots. Eh ben non, pas cette fois. Oh. Il n'y aura pas de Charlots cette fois. Non, je suis désolé. Oh. Il y aura pas de Charlots. Pas de Charlots, oui. on est chaque fois là, effectivement. J'ai repensé, oui, à un certain Marius Trésor. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. On est en plein mois de juin, Coupe du Monde et c'est tout. C'est circonstance, hein, ouais. Et l'équipe de France est très métissée depuis quelques années. Il y avait la France, c'était quoi, bleu, blanc, beurre ? Black, blanc. Cuisine au beurre, on va dire. Ouais. Black, blanc, beurre. Bleu, blanc, belge, ouais. En 98. Ouais, et puis, mais avant ça, c'était assez rare. Et je me souviens, quand j'étais gamin, dans les années 70, il y avait un black, c'était Marius Trésor. Et c'est un super joueur, un mec bien cool, qu'on aimait beaucoup. Alors, bon, il a fait un 45 tours dont j'ai complètement oublié le titre et que je ne retrouve pas, c'est pas grave. Mais ce 45 tours nous avait marqué parce que c'était la première fois que je voyais un joueur de football qui chantait dans les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier. Alors, je vais vous en faire profiter. Ne partez pas tout de suite. Nous allons écouter le 45 tours de Marius Trésor. On va peut-être entendre le titre quand il va chanter. Voilà. Des îles, je suis né sous le soleil. Du côté de Pointe-à-Pitre, la vie a un goût de miel. J'ai quitté la Guadeloupe pour aller à Ajaccio. Mon cœur n'avait plus de doute, la Corse est un pays chaud. Sacré Marius, moi je viens d'un pays chaud. Sacré Marius, moi je suis né dans ma peau. Sacré Marius, tout comme un poisson dans l'eau. Au pied de la bonne mer, j'ai continué ma vie. J'ai connu la canebière et tous ces gens du midi. Je connais la bouillabaisse, la pétanque et la yoli. Car du côté de Marseille, on se fait beaucoup d'amis. Sacré Marius, moi je viens d'un pays chaud. Sacré Marius, moi je suis bien dans ma peau. Sacré Marius, tout comme un poisson dans l'eau. Sont fiers de lui. Je connais la joie de vivre car dans les bois de Mailly, j'ai découvert l'Amérique. Dieu, quelle est belle la vie. Sacré Marius, sacré Marius, sacré Marius, sacré Marius. Oublier le titre, c'était Sacré Marius, bah oui, Marius Trésor, voilà, en hommage au foot français. Voilà.
Inspecteur des Riffs, l'émission des contrastes. Bon, c'est bien que tu es terminé par Trast. Oui, voilà. On continue dans les contrastes parce qu'on va maintenant aller faire un petit tour chez les Inuits, et notamment chez une Inuit particulièrement déjantée qui s'appelle Saïm Konamshilak. Tout à l'heure, Olivier vous a passé William Parker et Amit Drake. Elle a fait à un moment donné un projet avec eux, ou en tout cas le temps d'une tournée d'au moins un disque. Ici, elle est en duo avec un percussionniste qui s'appelle Jarod Kagouin, qu'on avait notamment entendu avec. Comment il s'appelle, le musicien libanais et ben voilà, je sais Joseph Dumoulin. Mais non. Allez, bon, enfin bon, peu importe, ça va me revenir. Et, mais ici, on va écouter donc un morceau qui a été enregistré à Vienne en 2006, Dance of an Old Spirit. Et l'idée, c'est que, ben, on utilise toutes les techniques de chant, de gorge, etc., particulier aux Inuits, dans un contexte un petit peu différent. Donc, Dance of an Old Spirit. C'était Saïm Konamshilak avec Jarod Kagouin, le musicien dont je cherchais le nom tout à l'heure, c'était Rabbi Abou Khalil. Bon, voilà. Donc ça s'appelait Dance of an Old Spirit. Alors, moi je n'y arrivais pas vraiment avec des allumés, mais plutôt un ovni musical, même si l'expression est parfois un peu galvaudée, mais un ovni musical comme on aime vous en proposer dans cette émission. Au départ, le groupe est casé dans ce qu'on appellerait funk britannique. Un peu, on les compare souvent au groupe Simandé, que Bernard connaît et apprécie aussi. Il avait ce groupe pourtant au départ de nombreuses qualités pour percer, mais l'histoire en a voulu malheureusement autrement. Parce que la grande force du groupe, c'est justement de ne rentrer dans aucune case, mais c'est aussi sa grande faiblesse visiblement, et c'est ce qui allait être fatal à son succès. C'est, comme je vous l'ai dit en démarrant, un groupe de funk.
mais un groupe de funk d'un style particulier. Et là, vous allez bien ouvrir très grand vos oreilles parce que je vais prononcer le mot. C'est du funk progressif. Et oui. Et oui, messieurs, et oui. Étrange et fascinant mélange de soul psyché, d'afrobeat, d'acid rock et de free jazz. Alors en vrac, on retrouve des cuivres, des guitares qui lorgnent parfois sur certains morceaux du côté de Black Sabbath, un orgue très omniprésent, des percussions. Donc on ne sait vraiment pas où les situer, ce groupe-là, on ne sait vraiment pas où le situer. C'est rock, jazz, funk, musique africaine. Donc ces mecs-là, vraiment, sont des spécialistes pour brouiller les pistes. Et puis il y a aussi le fait que c'est un groupe qui est resté un peu mythique parce qu'un peu inconnu. Il y a la pochette du seul et unique album qu'ils ont sorti, que je vais vous faire passer après parce que je ne sais pas si vous allez la voir d'ici, et qui est quand même fort étonnante. C'est une pochette entre bondage et atelier tricot, on ne sait pas très bien ce que c'est censé représenter. Maintenant, depuis les années 2000, heureusement, il y a des collectionneurs avisés qui se sont un peu penchés sur le cas de ce groupe qui s'appelle Demon Fuzz, parce que je ne vous avais pas encore dit le nom. Et puis, il y avait aussi un morceau que j'aurais vraiment voulu vous passer, mais qui fait 10 minutes, donc on le réservera pour une spéciale morceau plus de 9 minutes. Parce que c'était un morceau qui représentait vraiment toute l'étendue des variations mélodiques dont le groupe était capable. Donc on va écouter Demon Fuzz, un extrait de l'album Africa sorti en 1970. Voici le morceau Message to Mankind. That makes you a man. Should be your delight. Treat all others right. 'Cause people will be people, whether black or white. People will be people.
Alors voilà, c'était Demon Fuzz. Je viens de perdre un peu mes nicknacks là sur le coup. Demon Fuzz, donc, dont je vais vous parler avec beaucoup d'enthousiasme. Et je vous conseille vraiment vivement de foncer écouter ce morceau qui s'appelle Past, Present and Future. Vous allez voir, c'est une vraie merveille. Et voilà donc le petit indicatif de fa vous signale qu'on est quasi rendu pour ce volume 96 d'Inspecteur des Riffs. Rediffusion évidemment de ce programme sur les ondes de 48FM ce jeudi entre 11 et 13h. Exceptionnellement Bernard, pas de podcast sur radiorectangle.com. Il aura lieu le mois prochain celui-ci. Parfait. Pas encore la date. Alors, prochain rendez-vous avec cette équipe le 17 juillet, mais, exceptionnellement, ce sera pour une petite rediffusion. Bernard ? Oui. Pas encore d'idée, c'est ça que tu disais, hein, je pense. Non, on va piocher dans les programme. Archives les plus sordides des inspecteurs des riffs pour pas que vous vous ennuyiez cet été. Quoi. Ouais, on n'a pas encore le numéro d'émission qui sera rediffusé, mais... Parfait. Alors évidemment, d'ici là, dans l'intervalle, on retrouve les bis le 3 juillet prochain, avec le volume 96 bis forcément. Voilà, et c'est à Olivier de clore la session pour ce soir. Ok, on termine avec un projet avec un trio un peu particulier. Donc c'est avec Manu Hermia, grand saxophoniste belge, qui il y a plus ou moins 10 ans a visité l'Inde et a appris le bansuri. Donc suite à ça, il a sorti deux albums. Qui s'intitulait Murmures de l'Orient. Il a fait un magnifique reportage photo aussi. Il avait exposé ses photos à La Quilone, je pense. Et donc ici, il sera accompagné d'un percussionniste marocain, Khalid Kouen, et Majid Bekas. Donc Majid Bekas, lui, c'est un joueur de Gembri, donc c'est un instrument à trois cordes, un instrument chamanique des musiciens gnawa, qui, bon, Majid Bekas, c'est vraiment le relais entre le jazz et la world music. Il a accompagné Louis Clavis, Joachim Kuhn. On avait pu le voir justement au festival jazz, quelques ouais. années. Ouais. Et donc voilà, on écoute le trio Manu Hermia. Et un grand merci à tout le monde. Gros bisous, à bientôt.